Donc, comme ça, le pays, le 237 est devenu les clash sur clash. Maintenant, c'est le tour de Petit Pays et Samy Diko. Vous n'êtes pas toujours fatigué depuis là? Les mêmes histoires tous les jours. Voilà donc ce que Samy Diko est arrivé au Cameroun et a raconté sur Petit Pays. Que Petit Pays est un gros menteur. Bref, ça ne doit pas sortir de ma bouche. Écoutez vous-même. Donc, aujourd'hui, il faut que les Camerounais sachent que il a toujours, c'est un menteur né. Il a toujours, je dis Petit Pays, est un menteur. Je le mets au défi. Et je mets quiconque, quel qu'en soit le Camerounais, au défi. Qui m'apporte une preuve. Ou que lui vienne s'asseoir là. Qui me dise comment j'ai fait à 17 ans quand j'étais dans les Zambisa, comment j'ai fait pour empoisonner si je connaissais même le poison. Et pourquoi depuis près de 30 ans, il n'est pas mort. Il n'a même pas été malade. Il n'a jamais été malade. Il n'est pas mort. Il n'est pas. Et il s'assoit pour dire que moi. Dis donc, mais vous croyez que c'est pas la mort ça? Que tu cherches à un enfant? C'est pas la mort. Quand j'ai voulu porter plainte, les mêmes gens, et même ses propres amis, oh vraiment Samy laisse, tu sais que le type là, vraiment il laisse, il est ça, il faut laisser. Et c'est le fait que j'ai toujours laissé qui lui a donné le culot de pouvoir dire n'importe quoi sur ma carrière et sur ma vie, de pouvoir saboter, de dire n'importe quoi, mais c'est terminé. C'est fini. Parce que, à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il dira, je vais le retoquer du tic au tac, quitte à aller chez lui, l'arrêter pour qu'il me dise ce qu'il veut dans ma vie et dans ma carrière. Mais ça suffit. Tu ne peux pas être un aîné qui dit que oh, tu es de les jeunes, tu fais ceci et tu cherches à les détruire. Il en a détruit combien déjà? Vous voulez qu'on parle un peu de ça? Non, on ne va pas parler de ça ici parce que c'est pas un tribunal. Je vais chuter. C'est pas un tribunal. Il peut venir, il peut demander une émission, il vient dénoncer ou bien. Un droit de réponse, ce que vous voulez. À tout moment, le jour qui viendra, même moi je vais venir. Puisque lui ne vient pas quand je suis là. Je lui ai déjà demandé plusieurs fois de venir. Il ne vient pas. C'est votre aîné, hein? J'ai. Non, un aîné qui ne te respecte pas. Tu n'as pas le droit de le respecter. Et je le dis devant tout le monde, je ne le respecte pas. C'est-à-dire, c'est un aîné qui est. Mais il n'a pas de respect pour moi. Il veut ma mort. Je ne peux pas le respecter. Et il faut savoir que. À partir du moment où. C'est très gros ce que vous dites, hein? C'est très gros, ça me dit ce que je dis. Je pèse mes mots. Et dire que, à partir d'aujourd'hui, il a fait toutes ces choses-là. J'étais un enfant. Il m'a saboté partout. Est-ce que vous savez que j'ai fait plus de 20 ans. Il faut que les Camerounais sachent. Il faut que les promoteurs le sachent. Petit Pays m'a bloqué à Fomalik. Je vais avoir bloqué de ne jouer jamais. Vous avez les preuves de ce que vous dites, oui. Ça me dit quoi? Oui, je les ai. Parce que nous, on ne peut pas continuer à regarder. Je dis que je ne peux pas venir m'asseoir devant mes fans, devant ses fans, devant les Camerounais et dire n'importe quoi. Puisque lui, il dit l'inverse de ce que vous dites. Et lui, ici, il dit aussi qu'il ne peut pas venir dire n'importe quoi. Le fait que je n'ai jamais parlé, c'est pour ça qu'il a. C'est ça qui lui a donné le culot de verser n'importe quoi sur moi. D'accord? Petit Pays a toujours menacé le fond côté. Il n'est plus là, mais ses enfants vivent. Ses collaborateurs vivent. Il a toujours menacé que je ne joue jamais à Fomalik. Là où tous les artistes camerounais, même étrangers, viennent jouer au Cameroun. Alors, chaque année. Et ce qui a permis en sorte que beaucoup de ses fans commencent à dire que oh, je suis fini. Samy dit quoi est fini, il ne chante plus. Et lui-même, c'est la campagne qu'il faisait dans les radios, les télés, que Samy est fini. Il ne joue plus, il n'est plus. Voilà, voilà. Alors, je vais couper très court. Je réussis, moi, et. Un de mes frères qui me représente au Cameroun ont réussi à convaincre le feu écouté de me programmer. Et cela presque pour rien. J'ai accepté de venir jouer presque pour rien. Parce que je voulais prouver quelque chose. Que mais on est en train de tuer ma carrière. On est en train de tuer mes fans. Il faut que je prouve quelque chose. Je suis venu au Cameroun à un jour du concert. Côté a caché à Petit Pays qu'il est en train de me programmer. Le jour qu'il a su, c'est le jour qu'il a sorti le branding partout, 6 jours avant le concert. Mais il a failli tuer Koti. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi aller. Vous avez déjà suffisamment. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici, je suis en train de dire la vérité. Oui, mais vous faites une révélation très grave. Non, c'est pas grave. Quand c'est la vérité, c'est pas grave. Mais quand il dit que il m'a empoisonné, là c'est pas. Il faut que les Camerounais connaissent la vérité. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Après, on va revenir. Alors. Il a menacé, il faut que les Camerounais le sachent, il menaçait Koti que
cet enfant ne doit jamais jouer. S'il joue là-bas, moi je ne jouerai plus jamais. Et Coty avait peur parce qu'il y a quelques années encore, il était la masseur. Le jour de mon concert, il y a les preuves, il y a les images, il y a les gens de Coty qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Ses collaborateurs et le clan Coty est là. Ceux qui veulent les preuves, les images, tout est là. À 19h, il y avait 4 rangs d'un kilomètre. Ce que ne s'est jamais produit à Fumarik. Et il a envoyé les gens venir voir, on l'appelait. Et lui-même, il est venu en taxi. Peut-être qu'il ne sait pas que nous sommes au courant, qu'il est venu voir lui-même ce qui se passait. À 21h, il y avait 30 000 personnes à Fumarik. C'était du jamais vu. Et ce jour-là, Coty a dit, je vois pourquoi. Il n'a jamais voulu que tu joues à Fumarik. Et c'est ça la vérité. D'accord. Vous permettez qu'on s'arrête là pour un moment. On peut continuer. Mais je voudrais quand même dire à votre suite que Petit Pays n'est pas là et que ce n'est pas un tribunal ici et que on ne peut pas laisser prospérer ce genre de choses. Au début de l'émission, vous m'avez dit, dans cette émission, on s'ouvre. Mm-hmm. Et je préfère m'ouvrir aujourd'hui à mes fans, mm-hmm. à ces fans, mm-hmm. beaucoup plus, mm-hmm. pour qu'ils sachent que le mensonge qui les a fait avaler depuis longtemps, ça a toujours été un mensonge. Tu vas avancer et nous allons prier tous ensemble pour que Petit Pays, ce grand artiste qui a fait rêver les Camerounais, les jeunes, l'Afrique, le monde, qu'il guérisse dès demain au nom de Jésus. Amen. Amen. Si. Amen. Et ce soir, nous bénissons le grand frère au nom de Jésus. Si lui, il est contre nous et nous déteste, on le met toi entre les mains du Seigneur. Amen. Mais nous nous l'aimons, nous le bénissons ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. La paix, y'a que la paix. Ça va faire un buzz. Si. Comme j'ai plus de 40 000 personnes, je lance ça. Non, moi, je vais le faire. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.